Amis de la presse, bonjour. Pour nos conférences de presse de l'espace citoyen, nous disons bonjour à tous, à l'internaute, l'humoriste et aux réseaux sociaux internationaux. Nous commençons par sa conférence de presse là, par lancer un petit cri, mon tout ça, aux réseaux sociaux. Vous pensez qu'il est capable de discuter, nous capable d'entendre. Dans un débat, nous avons en tout cas été argument, mais un argument comme ça ne va pas faire honneur à notre République. Garçon, allez, faire sa grève de la faim, laisse-nous respecter ce droit constitutionnel et laisse-nous respecter ce qui lui a envie d'amener. C'est un jeune, nous, souvent nous disons un jeune engagé, donc pour une fois, un jeune peut faire quelque chose. Soyons indulgents et soyons respectueux des lois. Astaire, nous commençons la conférence de presse là par justement l'actualité. L'actualité nous cause justement ces combats. Nishal Jayaram sur le prix du carburant. Vous pensez que ce soit dans le média, que ce soit dans les différents intervenants politiques ou non politiques, ils beaucoup commentent ce sujet-là. Et si nous avons fait un round-up, l'eau, ce problème-là, il tombe en trois grandes parties. Il y avait la première partie. La question se pose qui fait STC pas acheter l'essence à un bulk et qui fait acheter les retail. Donc, il y a un problème là qui nous est capable de gagner l'essence moins cher. Deuxième problème qui nous est là, selon M. Ranjiv Sirvansingh, STC a un déficit de 4 milliards. Et troisième problème qui peut justifier selon STC, le prix du marché actuel de l'essence et du diesel, c'est la contribution qui vise à apporter par rapport à différentes taxes, subventions sur la farine, sur les dairies qui ont augmenté avec la crise, la guerre, l'Ukraine, etc. Donc, ce qui fait une part contributive à l'heure qui nous peut causer de 36 roupies. Donc, tout ça, nous pas pour remettre en cause, nous pas pour aller là-dedans, nous ne pouvons pas discuter tout cela, faire commentaire. Ben les autres camarades y faire et nous procéder à amener quelque chose un petit peu plus différent. Une fois que tout cela, ils mettent sur la table, il reste quand même qu'ils nous payent TVA, le prix de l'essence. Et nous, dans ça, l'esprit patriote, c'est l'esprit justice sociale, nous payons dire bizarre tiers TVA. L'eau, l'essence, bizantia TVA, l'eau, ben produit de première nécessité, quand ça lit tous Bandimoun qui au bas de l'échelle ou Bandimoun cote, l'essence, c'est faire partie de travail. Moi-même, hier, mon prend bis, mon pévinier, tout ça, mon trouvé dans quelle situation ben compagnie individuelle trouve zot pour être capable rentre dans zot. Frais rentrent dans l'argent. Donc, il est très important, dans un premier temps, pour soulager l'économie, et deuxièmement, pour venir à l'aide ben, du monde qui dans le besoin, nous peut dire bizarre, si la taxe, l'eau essence, l'eau produit de première nécessité et l'eau ban les autres affaires qui affectaient le pouvoir d'achat ben, citoyen mauricien. Mon camarade Talia a décidé pour me donner un commentaire, alors là, il y en a certaines suggestions. Donc, ça, c'est nos premières grosses actualités qui nous ont envie de causer. Et déjà, notre actualité, nous mettons un petit affiche derrière, c'est cette histoire féminicide-là. Et en ligne de mire, ça, crime atroce qui nous passait dans Saint-Julien-Village, qu'un policier, il vraiment fait quelque chose de vraiment incroyable. Et critiquable. Mon camarade, pour cause le volet recrutement, hein? Est-ce qu'il n'est pas capable d'éviter? Est-ce qu'il est capable d'avoir un mécanisme pour faire qu'il ne pas recrute mauvaise du monde au mauvais endroit, surtout dans la force policière? Camarade Soli, pour cause de ça volet là, t'as l'air. Moi, mon pour cause le volet féminicide, c'est-à-dire ban violence faite. Conjugal. Donc on a là beaucoup d'évolution, beaucoup une causée, d'arcy, de long en large, et heureusement, et beaucoup de suggestions qu'il y ait une femme
policière prend ban case, ban déclaration du monde, ban madame qui vient dans station de la police. Il y a beaucoup de choses à revoir au niveau station de la police pour prendre l'enquête, pour faire certaines choses. Au niveau de la justice, pour faire une déclaration, une ordonnance de protection, hein, pour ban victime. Tout ça là, nous trouver comment ça s'y fait, c'est-à-dire, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Et d'ailleurs, nous pensons qu'il y a beaucoup de monde dans Maurice, une femme, Pémo, parce que, moi, bêtement, parce que nous ne pouvons pas prendre une mesure qui est bizarre. C'est un problème mondial. Donc, ici, Espace Citoyen, avec les moyens que nous avons, nous faisons une recherche et nous trouvons qu'il y a un pays, appelé l'Espagne, qui baisse le féminicide par 24%. Donc, laissez-nous guetter un petit qui l'Espagne fait et qui nous, peut-être, ou ben les autres pays, pas encore faire et qui bizarre faire. L'Espagne, lui fait une grosse affaire qui nous tout connaît. Quand on a un problème, nous fait la loi spécifique, nous fait un régime juridique spécifique. Qui m'a dit pour un régime juridique spécifique? Nous connaissons un régime juridique spécifique pour dangerous drugs. Par exemple, il y a beaucoup une confusion, si pas le gain droit, l'avocat assister client dans le premier 36 heures, tant ou pas, mais il est dans la loi. Donc, ici, pareil, une loi spécifique contre violence faite aux femmes, au genre, et un tribunal spécifique. Bizarre, un magistrat, bizarre, un tribunal qui est disponible pour sa bancala, qui ban l'ordonnance de protection sorti plus vite. Et évidemment, parallèlement à ça, nous ne pouvons pas mettre n'importe qui du monde, tiers personne, sa tribunal-là, comme on a trouvé récemment, le tribunal partout, mais après, tiers personne, tout cela, nous avons certaines réservations, comment vous recrutez. Bizarre, mais il y a du monde qui comprend le problème-là, qui suit l'information et qui comprend bien les affaires-là. Et aussi, dans la police, les bien gentils mettent une femme. La policière, mais s'il n'y pas comprendre tout ben paramètre là, tout au courant, tout ben aspect psychologie, etc. Là aussi, c'est pas parce que nous pouvons faire un lafissage, nous mettre une femme, nous croyons nous pouvons résoudre le problème là. Non, nous bisons vraiment, nous bisons prend ce problème là au bras le corps. Okay? Donc, l'Espagne, une loi d'État contre violence conjugale. Un système qui a le droit et l'aide sociale, il faut dire que ça m'a dit que là, quand j'ai accès à la justice et tout ça, il y a l'aide disponible. Bizarrement, un fonds, bien sûr, je peux dire, un taximen, peut mettre welfare fund, je ne sais pas qui était, et mettre une chose, violence conjugale, welfare fund, hein, qui existe là pour servir, pour aider, pour que cette situation-là pas arriver. Astéa, il y a une convention d'Istanbul, donc moi, vite, l'État mauricien signe sa convention d'Istanbul là. Qui fait, on peut dire, signe sa convention d'Istanbul là, parce que sa convention d'Istanbul là, élargit définition féminicide. Il prend en compte féminicide familial, sexuel, social, etc., etc. Nous disons aussi, ça commence par une petite violence, un petit, maintenant pour dire, un petit abus, d'ambis, l'olari, etc. Ça, ban violence, qui n'importe quelle violence fait aux gens, nous bisons très ferme. Quand nous arrêtons à la racine, ce n'est pas pour pousser, ce n'est pas pour venir un pied, qui est difficile après pour abattre. Ça, nous, ça volait là, nous aussi dire qu'il y a une technologie. Bizarre, il y a une surveillance électronique. Quoi dans l'Espagne? Un système qui permet un agresseur approché. Ça veut dire, parce que si madame en question est capable, il y a un moment de faiblesse, il vient donner un deuxième sens, troisième sens, enfin, il est capable d'arriver. Mais au moins, sa famille capable d'agir très vite. Parce que dans ce cas, mon propre revenu là, et tu as un problème comme ça. Nous disons aussi, intraitable,
Ben, une violence numérique, réseaux sociaux. Parce que la violence, ce n'est pas ZIS qui nous met la loi spécifique, ce n'est pas ZIS qui nous fait la loi là évoluer au fur et à mesure, ce n'est pas ZIS qui nous met la surveillance électronique, il passe aussi par l'éducation, par une façon de revoir les choses, et ça, nous besoin mettre les moyens pour faire qui, sans bonnes affaires là, n'y pas. Perdurer. Parce que, parce que c'est une femme victime, ils ont mis plainte. Ben, l'Espagnol, ils ont dit que l'État a rapporté plainte. L'État a rapporté plainte sur la base d'une information ou quoi que ce soit. Nous pouvons dire aussi, nous, des juristes ici, bénévoles, ils ont dit qui, nous peut dire comment l'Espagne inverse le charge de la preuve. C'est-à-dire, c'est victime qui vous a prouvé que Madame Lane refusait l'acte sexuel s'il y a envie d'acquitter. OK? Pas Madame qui vous a prouvé qu'il y refusait. OK? Nous, bizarre, dans le monde qui nous peut vivre en 2022, quand on nous dit égalité, égalité entre citoyens, égalité entre races, égalité en forme de conscience, égalité au niveau de la justice sociale, égalité homme-femme, ni bizarre, une vraie réalité. Et ça, des Michel qui peut dire ça, des tchatcha, nous peut dire ça. Okay? Avec nous, l'expérience, hein? Nous, dans quelques années, nous pouvons prendre nos retraites, 60 ans, nous peut dire ça. Correct? Voilà, ça des problèmes d'actualité qui nous tient envie causer. Avant, on passe la parole mon camarade Solik. Moi, j'ai une petite déclaration qui m'a écrit, ils ont dit, qui inspire moi, je commence à dire. Nous visons faire Maurice rentre dans le 21e siècle. C'est nous défi. Pour rentrer dans sa 21e siècle, veut dire, nous visons capables de réconcilier ce qui nous tient profondément, profondément. Ce qui nous visons. Vini, devenir. C'est quoi Maurice? Pour moi, Maurice, moi déjà franchement, mon lien avec mon pays, mon bon compatriote, c'est notre langue créole. C'est cette langue qui nous façonne, nous devenir, nous les peuples, nous relations, nous l'affection et nous ban. Relation d'un pays. Nous, pour un projet républicain, c'est-à-dire égalité de droit partout. Un projet républicain avec ligne de mire, liberté individuelle, le droit à chacun. Longtemps, Maurice fin vive. Réclus dans mon village. C'est pas un mouvement éducation qui les rêves mauriciens finissent une réalité pour tout le monde dans Maurice. Rêve mauricien nous connaît? Docteur, avocat, comptable, etc., etc. Journaliste. Pour arriver là, l'État finit développer un système lourd et compliqué. Voici l'égalité et la sécurité. Je vous dis, ça va pareil, là, puis tout le monde vide. Perspective n'est plus aussi visible, aussi louable. Quand nous pouvons trouver la viscère, peut bousculer nous la vie quotidienne. De plus en plus, il devient plus facile d'écrire la loi qui prend une décision, une direction, ou pas dire même une vision. Bref, un politicien peut justifier les autres salaires, les autres causes de la loi dans le Parlement, mais ils ne peuvent pas débattre la loi là-même des fois. Pays Pébine pour l'administration et non l'administration pour pays. Réel peut éloigner la réalité d'un latour d'ivoire, je peux garder. Le monde du pouvoir peut bâtir. Une construction imaginaire, fantasmée, fantasme.
Un projet commence par la République. Certains pour servir pour refusent ban les autres droits. Une certaine intolérance, communalisme, mépris liberté, etc., etc. La République, les bisins servir la libération, ban injustice. Un préjugé, une structure obsolète, un cercle d'influence, de confort, un groupe de pression. Sa nouvelle civilisation qui est devant nous là demande beaucoup profonde transformation pour une économie plus rapide et changeante, rupture brutale qui est devant nous, technologie numérique, Internet. Si la civilisation est un processus d'évolution et de progrès collectif, matériel, social, culturel et politique. Pour certains, il y a un synonyme de recul, perte de contrôle, inquiétude, insécurité. Internet numérique peut établir une nouvelle frontière contre nos bisins, change nos façons de faire. Logiciel Internet peut robotiser. Travail manuel. Les affaires là pas pour pareil comme avant. Internet pour change tout. Nous façons travailler, nous façons manger, nous façons bouger, nous façons comment nous faire. Ban Big Boys, Pédiaou qui 10 à 40% ban travailleurs qui existaient à ce temps-là, pour ne plus exister. Tout pour automatiser, ban travail bête, ban travail manuel, répétitif, robot, algorithme pour prendre tout. Ban nouveau travail, le big data. Et quand nous guettons nos pays, nous avons l'impression que la classe politique mauricienne est préparée à ça. C'est une classe passéiste, enfermée dans le passé. Il peut tirer une recette du passé et pour mettre nous à la table. Michel Apedjaou, comment allez-vous diagnostiquer pour le Premier ministre de changement ou du manou qui changement corrompu contre le passé? Dans un pays, dans le monde contre classe moyenne pour disparaître, parce que c'est un travail pour reprendre dans l'assurance, dans la banque, par computer, par numérique, dans du monde qui peut qualifier pour et a encore plus l'importance. Donc, nous guettons bien. Nous aussi, on a une civilisation du risque, l'environnement, géopolitique, la guerre, terrorisme. Maurice, il vit un système dépassé. Encore vivre une convention, un système, une pratique dérisoire, inutile, coloniale. Système, la loi, règlement. Encore écrire avec l'écriture, avec anglais colonial. Et Zopé, n'a tout payé, Vindjaou, bisamé créole dans le Parlement. Ça même du monde pour Djaou, ça. Il a moins respect pour faire la loi. Il a moins respect pour les principes. Et nous-mêmes, nous sommes comme la loi, il a un texte indirect, il a des affaires qui est anticonstitutionnelles et ça passait, personne pas remorqué. Belle belle la loi, gros belle belle pèse, sa quantité passe là, il fait la loi, il a non, du mal. Est-ce que tout ça là, lit en ligne avec chose. Nous vivons avec un système, depuis décennies, contre la classe politique, pas n'importe n'importe dans ce pays là. Il repose pour répondre à blocage, inégalité, injustice, et ou quoi que ce soit, clientélisme, tout ce qui est en vie, pas augmente d'aide publique. N'en est pas budgété, n'en est pas programmé, comment pour financer? Espérer qu'il va nous pour payer ça, pour répondre ça pour eux. Si nous là aujourd'hui, c'est grâce à un système politique à bout de souffle. Moi, me dire, mon cher camarade Sonic, pour développer ça ici, parce qu'il est souvent le gars qui m'a causé l'eau. Moi, qui pas, qui
dans un pays, nous pas besoin soumettre aujourd'hui à un conformiste de caste qui dit qu'il faudrait appartenir à une classe, appartenir à un certain groupe politique pour capable assumer fonction suprême dans ce pays-là. Laisse-nous prendre l'exemple, sa madame-là, ministre, son parti dans politique, donc il est dans politique, Banadjaou, un nouveau pratique ça, mon papa politique, mes enfants politiques, mes petits-enfants de politique, et ça, je le décline tous les niveaux possibles. Et la pays peut dire, juste premier ministre, ministre, président, ici, ministre, ministre, PPS, député, tout, dire, mon papa, petit député, mon député. Et nous bien trouver, madame, là, n'est pas à la hauteur. Si tu dis qu'il tient une recette, qui peut apporter résultat, qui tu peux apporter du bien-être. Moi, mon papa, tu n'as aucun problème, je sais pas, tu n'as aucun problème qui. Ça fait que mon papa, premier ministre, mon premier ministre, là, hein, il y a une règle du jeu et il y a une bonne affaire. Bon, il n'y a pas de constitution, il n'y a aucun port. Et en passant, je dis, la constitution, l'un ici, quand vous guettez, pourtant dans l'un, nous avons besoin de dire comme ça, un premier ministre, il est bien corse, vice ou quoi que ce soit. Et là, nous sommes en là, pas qu'on est continué sur le petit côté inventé, pas qu'on est qui protocole britannique, je ne prends un amené. Et ça, c'est sous Sagor qui est responsable de ça, il n'y a pas de sens dans rien. Hein, quand il gagne l'indépendance, trop content, il prend une mission parce qu'on écoute sa paix pour faire chose-là, la musique, organisation. Et Michel-là, il prend tout, comme un, comment dire, il croyait un gentleman, il prend tout ce qui existait avant et qu'il met sur la table. OK? Donc, moi, je me disais, besoin d'une rupture, non seulement du Rangoulaline, Rangoulaliste, et du diagnostic. Du Bérangiste, tout ça, dans les affaires-là, il l'a pour mettre dans le panier ménager. Alors, nous pouvons dire, si on dit, nous des bénévoles politiques, nous là, nous animés parce que nous comptons le pays, moi, Maïn Solik et ben les autres camarades, citoyens, nous là pour libérer. Ce pays-là, de ce même système qui peut bouffe tout, qui peut paralyse tout, et nous bien trouver qui est une opposition composée essentiellement de ce système-là, Corse. Un Corse qui nous dirigeait pour diriger. Et bien, il continue de diriger, il va bien avancer, les pétons tourner en rond. Donc, 2024, qui nous prenna, c'est-à-dire, comment nous dire, élection by default. Hein? Élection by default, ça veut dire M. Paul Pravin Kumar Jagnauth pour devenir Premier ministre. Élection by default, t'appelles ça. OK? Donc, nous, on peut dire, travail politicien, ce n'est pas une profession réglementée. C'est une affaire qui n'est pas qui citoyen est capable d'exercer. Et il n'y a pas besoin d'un parlement. Nous pouvons venir avec ce projet de loi-là, avec ça. Projet-là, un référendum d'initiative populaire, code citoyen, code politicien, code tout du monde, narcissé, nous mettons la tête ensemble et nous guetter comment nous pouvons faire face à un nouveau défi qui peut venir devant nous là, comment mondial, défi numérique, technologique et toute la crise qui peut venir, nous visons une action citoyenne, une action que tout le monde participerait. La politique Morédiali. Encore une fois, faudrait pas qu'il y ait, et il continue dans ce pays-là, malheureusement, une profession réglementée. Nous demandons, nous démarchons une démocratie élective. Merci, mon passe camarade Solik qui est ici pour commenter l'actualité, il y en a des trois thèmes qu'il est pour développer. Bon, l'un de prouver que ce qui peut devenir l'actualité, c'est le carburant, l'essence, diesel. Et que de trouver un monsieur de l'Iran qui fait une grève de faim, aujourd'hui, 11e jour. Bon, il y a plusieurs politiciens,
ban extra fin comme vraiment fin dire fin causer le là qui vous a fait qui va vous a fait à coup sur la ban consommateur non de sa ban produit là et moi me dire que récemment tu n'as une façon pour régler ce problème là quand tu veux grimper à cause de la guerre. Tu vas grimper à cause des autres facteurs économiques. Quand dans la réunion, ben là, tu donnes 7 environ. Et là, le consommateur, tu vas gagner 27 environ. Et qui fait que Maurice ne peut pas implémenter ça l'idée-là. Alors, moi, je veux dire que le gouvernement, tu faisais un plan pour donner à certains consommateurs 7 environ. Et que moi, pour donner, ben, je veux qu'il y ait au bas d'échelle. Pas toujours que vous bénéficiez. Hein. Je veux qu'il a payé, il paye. Disons, il est capable de le la paye. Hein, il fait une mini test. Disons, regardez, si un jeune gagne 25 000 roupies, il gagne un certain gallon d'essence par mois gratuit. Ou bien, si un jeune gagne jusqu'à 50 000, alors nous quittons. Et là, dans ce 25 environ. Parce que moi, je pensais que si un jeune qui gagne 200 000 roupies, à monter, on va penser pour lui, il n'est pas affecté, ça a pris grand bureau là. Alors, nous peut dire, le gouvernement est capable de guetter cette avenue-là. De quelle façon la réunion tu veux faire, tu veux donner un sec environ, et me demande, ministre finance, s'il guette cette avenue-là, et tu peux une bonne chose. Et mon second point qui me dit toujours le sec environ, moi, je peux dire, si M. Samantin me disait que STC n'a pas un déficit qui vient de faire, pour une raison qu'il n'a pas voulu discuter, pour quelle raison, comment finalement ce déficit-là, ça, il n'est pas nous à venir pour discuter, mais ne pas discuter ça. Si STC finit de faire un total loss, c'est pas un déficit, ça nous pourra causer ça devant un meeting, comme je disais, mais là, pour aujourd'hui, moi, je veux dire, si jamais il a un déficit de STC, mais qui fait qu'il va combler ce déficit-là, parce qu'il a taxé. Tu vas du monde, pauvre, moins pauvre, middle class, tout peut payer pareil, mais moi je dis que taxer les super riches. Alors, les besoins ministère des Finances, les besoins avec un système de taxation, ils ont taxé les super riches et d'une façon progressivement. D'une façon progressive, ils taxent eux. Et moi, d'accord, qui ont du monde qui gagne fait un profit super riche, ou bien du monde qui gagne la paix métro-boulot, je connais qui paye un certain pourcentage de taxes. Mais pour retaxer là, ils ont un autre système de taxes, ils taxent eux d'une façon plus élevée, c'est-à-dire progressivement. C'est-à-dire, le 5 millions qui m'a fait taxer, le profit peut augmenter, augmente sa pourcentage de taxes là. Et là, il est capable de prendre sa casse là, il comble sa déficit là. Et quand il fait ça, il comble sa déficit là, il n'a pas besoin, du moins, pas besoin de payer 74,10 en essence. Et que moi, mon camarade aussi, il me dit là, moi, je suis d'accord, quand il me dit, enlève tout le TVA qui est notamment le produit pétrolier. Ça, le mot premier sujet. Et mon deuxième sujet, et qui m'a beaucoup monté, c'est l'actualité, qui sa crime vient d'arriver, quand un policier vient de faire un crime dans Saint-Gervais village. Et nous trouvons qu'il y a un policier, et trois crimes majeurs, c'est pour protéger le public. Qui fait un policier pour protéger le public. Mais si un policier, même publiquement, dit qu'il commet un acte criminel, mais comment il va protéger le public? C'est-à-dire, moi, je veux dire, et je disais hier dans une conférence de presse, et qu'il arrive un temps, que nous devons revoir totalement, et nous un changement radical de la force policière, depuis son recrutement, depuis son training, sur l'école qui fait un training, Benjamin qui fait un training, nous devons une réforme totale. Comment pour recruter Benjamin? Comment pour former les autres, pour demain nous avoir un policier correct? Qui est capable de protéger la police. C'est une façon encore de dire qu'avant de recruter la police, ben nouveau recrue, et souvent nous guettons
ben du monde qui fait une aide à un parti politique pour gagner l'élection, ben azo papa vient la police, et ben azo notre famille vient la police qui pas mérité vient la police, je te réfute parce que quand azo fait trop un parti, alors pour être quelqu'un on met ça azo là, je donne ben travail, je famille, ou ben, même azo même quand rentre la police comme un policier qui fait une formation, qui n'est pas connu sa moralité, pas connu rien. Moi, je demande une question. Quand on peut prendre un nouveau recrut de la force policière, est-ce qu'il peut dire que notre moralité? Moi, j'ai un doute là. Deuxièmement, quand on peut recruter un nouveau recrut, tu es capable de checker sur compte Facebook? Avant, bon, quelqu'un du monde était dans Facebook, qui a été commerce limité, qui a des images limitées, qui limitait dans Facebook. Parfois, à travers ça, le bouffonnier tient compte de qui personne n'y était. Il a checké sur compte Facebook. Et sa policier qui a tout sa madame là. Tu peux éviter, si tu as un grand recrutement de la force policière, car sa madame là pas tout sur la vie. Parce que quand on trouve sa policier là, même si c'est 10 mineurs, il paraît que sa policier là, ce 10 mineurs pas bon. Avant de rentrer la police, il paraît. Et un autre affaire qui me trouve un manquement. Quand sa policier là, tu rentres la police. Oui, c'est une manière, il n'est pas bien comme ça, écoute ça. C'est une manière que tu es là, tu sais, il est un peu violent. Est-ce que c'est une camarade qui travaille? Est-ce que c'est une camarade qui cherche à se surveiller? Voilà, un tel dit comme ça, vous avez besoin d'un coup, qui pouvait aller. Non, il n'est pas arrivé. Nous, tu parles sur la vie de madame là. Et moi, je veux dire qu'il dit ici, les bisins réorganisés, comment il peut prendre la police? Qui sera le plus vite comme la police? Parce qu'il veut trouver. Tout dernier, des ans, 3 ans, nous trouvons qu'un policier même qui est arrêté, la drogue même nous trouvait. Un délit. Mais il y en a beaucoup, hein. Si vous faites un survey, combien la police fait 6 pannes? Qui actuellement, dans 6 pannes, il y en a beaucoup. Je ne fais pas quelque chose qui va vous inquiéter. Bon, je ne vais pas baiser les autres, mais voilà, les fax et tu gaz est là. Voilà, moi je tiens beaucoup de son appel là. Et un troisième point qui m'a posé, avant de répondre à ma question. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de la loi qui a été amendée. Elle a été amendée pour un bill qui va finir passer, et puis vous passez après ça, The Finance Missionless Provision Act 2022. Et ça, ça acte-là de The Finance Missionless Provision Act 2022, il amende beaucoup de la loi. Une demande de la loi qui est amendée, soi-disant, c'est Animal Welfare Act. Nous pouvons commencer là et demander cet acte-là, nous pouvons venir devant notre session. Et Animal Welfare qui fait un mauvais dire parce qu'il nous trouvait que dans Maurice, nous n'avons la loi qui s'appelle Animal Welfare Act, qui se fait en 2013 par le régime des travaillistes. Nous utilisons la loi MSO, utilisons la loi, je repile cette loi-là. C'est MSO, cette loi-là, pas trop bon même ça. Mais bref, je repile cette loi en 2013, je fais avec la loi Animal Welfare, là je fais cette loi. Qui appelle Animal Welfare Act de 2013. Mais ça, la loi-là, c'est plus faible que ça, la loi-là. L'autre loi, tu disais, tu as fait dans pas trop bon, mais ça, il est plus bas que l'autre là. Premièrement, quand il y a dans la loi-là, dans Animal Welfare Act, il n'est pas dit où, qu'un du monde, combien les chiens n'ont pas droit à un mâle femelle. Pénal. Pénal, aucune provision qui dit ça. Et ça, il occasionne un du monde pour faire un brideur marron, un illégal brideur, ça, ça. C'est une dog breeders marron. Et beaucoup de gens peuvent faire ça, c'est aussi, parce qu'il y a un business lucratif. Vous connaissez pour faire dog breeding, vous avez un dog breeders permit depuis un mauvais faire. Et vous gagnez ce dog breeders permit là, il n'est pas ça facile là. Mais il y a beaucoup qui font un dog breeding marron. Et aujourd'hui, le ministère pénitentiaire, comme les chiens, il y a de Maurice. Combien de gens profitent les chiens, combien les chiens errent et non. Ça, nous fait la chiffre là. Et d'après, ben, le chiffre qui nous peut penser, pour arriver à une époque, qui population des chiens pour dépasser la population mauricienne de Maurice. Vous pouvez regarder, parce que l'autorité n'a pas dû faire non rien depuis assez longtemps, le sasisé là. Et là, qui fait un mauvais comment ça, parce que je fais une loi, je fais un amendement de Animal Welfare Act pour faire, et cet amendement là, c'est un amendement cosmétique pour non rien. Parce que ça, il n'est pas fait faire un bel amendement pour contrecarrer le problème qu'il devait gagner avec les chiens.
C'est tout malicien qui fait pas de mal trop, malicien qui a broyé grand matin tantôt devant la présidentielle. Et peut-être qu'un contrôle, un jour, on a des lycéens, trois lycéens, quatre lycéens, lycéens des races, pas venant, et ils ont fait cross-breeding, ils ont vendu ça malicien là, parce qu'ils pensent comment on appelle ça, business à qui est lucratif, moi je trouve dog breeding, business d'exercice qui est lucratif. Alors, moi j'ai l'autorité. Il finit amène un amendement dans le pacte et cosmétique qui n'est pas solvé aucun problème qui est là, pas qu'il solvé. Qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils augmentent la vanne, ils augmentent le temps d'emprisonnement. Quand la vanne tient à 15 000, prison 6 mois, ils ont fait vivre 500 000 la vanne, 10 ans prison. Quand la vanne tient 10 000, ils ont fait vivre 50 000 et 5 ans prison. C'est-à-dire, qui gouverne le pays? Quand le gouvernement peut repiler le bassin de la loi, nous faisons remarquer dans plusieurs bassins de la loi, moi dire que le gouvernement m'en casse dans la caisse. Moi dire que je peux augmenter la vanne pour remplir la casse dans la caisse. Mais vous connaissez, l'expérience est montrée, quand vous mettez une sentence plus sévère pour n'importe qui offense, il n'y a pas solvé ce problème-là. L'expérience est montrée, nous. Alors, nous mauvais trou dans cette loi-là, nous avons fait acte. Et c'est tous les ministres. Moi, je tiens sur l'attention. Ça, la loi-là, c'est une loi amendement cosmétique. Il n'y a pas de aucun problème, pas de aucun problème. Alors, dis-vous, vous connaissez combien de chiens il y a dans ma présidentielle? Où elle fait complainte? Je vous fais complainte. Ni police du gouvernement, elle n'a pas de compétence pour solver ça. Ni animal welfare, elle n'a pas de compétence pour solver ce problème-là. Ni MSO. Parce que quand tu vous fais complainte, chacun peut tirer sur la évidence, peut dire papa. Je ne dis pas, moi, je demande ça, animal welfare, je demande ça. Quand on voit l'animal welfare, je dis au police de l'environnement, je demande ça. Quand on voit le police de l'environnement, je dis au président de l'Agence. Bob Yo, ce problème-là, ministre, qui est ministre avant, qui est ministre actuel, je paie la compétence pour solver ce problème-là. Et ça, moi, je dis, moi, je demande l'autorité, si je paie la compétence pour solver ce problème-là, amène du monde du vidéo, fais un bon la loi, étudier, là, nous allons solver ce problème-là. Donc, si nous avons aussi en final pour ajouter qui le problème des chiens errants, il y a un vrai problème qui peut perdurer depuis des années et des années et des années et qui nous banco trouve une solution à ça. Moi-même, dans les normes, au moins 5 chiens peuvent dormir sur la plage auprès d'un touriste. Et quand on connaît combien de touristes ont payé pour venir dans Maurice, vous pensez qu'il a aussi il a un laisser-aller complet. Donc la question qui nous pose l'autorité, qui nous pose tout, combien de chiens il y a dans Maurice, combien de chiens de Bagman, combien de chiens de compagnie, combien de chiens, etc., etc. Et combien de chiens errants il y a dans Maurice, et qui fait appel à un système d'enregistrement, que quand il y a un chien, ce chien il y a un numéro d'enregistrement, nous capables quand nous jeunes ça chien-là, pédalari, dans la rue, et bien nous connaissons, mais qui s'en a sa l'échelle pour tenir, nous prenons l'échelle, nous retournons à son propriétaire. Ça, c'est la première affaire. Et si il y a un échelle qui paye la propriétaire, nous bien bien ferme à qui les autres nous donnent ça, parce que souvent il y a un monde qui vient, qui prend l'échelle errant, aller à le mettre là-bas, faire un petit montage, une petite chose, et créer un breeding business. Mon camarade dit lucratif, faire des trois petits baba les chiens, revendre, après remettre ça là ici. Donc tout ça là, il y a une certaine opacité qui peut dérouler dans ce milieu-là, dans sa business, nous dit dog business là, qui est lucratif, qui nous bien guetter. Si il y a un système de taxation, on peut taxer du monde qui paie l'essence, l'auto, si il y a du moins 4-5 les chiens, nous bien guetter qui bien faire là si. Donc nous bien. Il y a une vision globale, combien de chiens il y a, ça dog business là, c'est quoi? Dans les noms, il y a une clinique pour les chiens, il y a manger spécifique pour les chiens, toutes ces affaires-là, nous avons besoin de paramètres, nous avons besoin d'organiser tout ça là, parce que là, il y a un désordre, c'est n'importe quoi, et nous payons une réglementation qui prend en compte cette problématique-là, nous avons une réglementation qui peut mettre, qui peut exister, augmente la manne. Par exemple, ta page nocturne. Donc là, nous besoin adresse pas si ta page nocturne, ça veut dire nous besoin atteindre une nuisance olfactive, une toute qualité nuisance
qui ça présentait le fait que les chiens et l'homme peuvent vivre ensemble. Donc, ça, nous avons besoin de l'avant et aussi nous tient à préciser qu'il nous faut une législation progressive pour les chiens. C'est-à-dire qu'il y a un pays comme la France peut inclure les chiens comme un être vivant. Nous, nous pouvons dire, mais mettez dans la Constitution. Pas de problème, ça, parce que pourquoi si, c'est parce que pas dans cette législation-là qu'ils ont dit qu'il y a un laisser-aller, un foutoir, n'importe quoi. Et nous dire aussi, nous faisons l'appel, Bandjoun qui peut venir avec un bel projet société, peut cause bel causer tous les jours, le radio peut faire conférence de presse, grammatèse, qu'attendent. Et bien, dans ce projet, mettez un projet qui se peut faire un ministère spécifique au animal, welfare, animal, ac, et tout ça, ben, problème qui nous est là dans Maurice, nous bien connaît, nous avons toute qualité de problème, nous avons dit. Nous avons des animaux qui font un ben sport, etc. Nous avons champ de mars avec sur les courses, avec sur le cheval, avec toutes ces problématiques qui tout ça a engendré. Et donc, c'est un vrai problème qui vise à adresser pour le moment mondial, pour le défi du siècle qui vient à nous. Nous pouvons prendre une question qui est là, et après, nous pouvons terminer nos conférences de presse aujourd'hui et donner rendez-vous dans 15 jours, comme d'habitude. La problématique d'un chien errant, c'est pas d'être du jour, disons. Non, Je connais un ancien ministre du tourisme qui fait une campagne pour ramasser les chiens errants dans plusieurs plages, mais pas d'être du jour, ça va pas trop porter parce que ce successeur, il a arrêté complètement parce que l'association pour les animaux, dans la bisin stérilise, et fait l'euthanasie. oui, nous pas nous d'accord qui dans un premier temps laisse-nous dire qui sa ministre de tourisme là nous démontrer un système politique vraiment bazardé dans Maurice. Ça, Michel qui t'y fait ça, ministre des Finances, ministre de tourisme, il peut faire ça. L'équité à les son camarade, il va pour faire lui. Donc là, il dit pour venir, il pourrait faire lui. Donc là, est-ce que nous, le Mauriciens, nous sommes capables de vivre avec un système aussi bancal que ça, et surtout, les autres dans même l'alliance, après, les autres sont sortis, les autres revenus, à ces autres. Non, bon, ça, c'est folklore mauricien. Nous venons sur l'aspect qui les chiens louent la place là. Pourquoi qui ma ONG n'a pas pris aucune remarque ou réservation à dire que les chiens n'ont pas qu'à louer la place abandonnée et qui peuvent la manger, qui peuvent la nourrir. C'est juste stérilisé, c'est cette stérilisation-là. Moi, j'ai besoin de 4 doses pour me faire face au Covid. Un chien, il met une stérilisation pour, je ne sais pas combien d'années, tout correct. Non, 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 c'est n'importe quoi. Nous, vraiment ferme avec ça, nous prenons ce combat-là à bras de corps parce que ce n'est pas normal, ça m'a dit histoire-là. Les chiens errants, si pas, les stérilisent, les remettent. Non, c'est bien make sure. Les chiens n'est pas qu'à errant. Il n'y a pas qu'à un système contre les chiens errants. Et moi, pour venir loin de nos affaires encore. Il y a beaucoup de monde dans les chiens. Et moi, quand du tout, Mauricien pour d'accord, moi. Il y a tout le monde dans les chiens. Sur les chiens, quand on va mettre des hauts, les voisins qui pour qu'ils plient, pour donner manger, pour donner boire, pour subir toute la nuisance, pour subir aux fatigues, excréments, devant sur la cour, devant tout. Tantôt, ils prennent sur les chiens juste pour mettre dans sur la cour, pour garder sur la cour. Mais ça, nous ne sommes pas capables de tolérer. Nous ne sommes pas capables, comme on marche dans mon endroit, tout petit lichien peut marcher dans la rue, il y a un lichien qui garde derrière moi pour venir. Ah, excuse-moi, les mots. Ah, ben non, on a un lichien, on garde le lichien dans la cour, et là, maintenant, dans un ordre spécifique que l'État, que la municipalité met en place pour aller promener le lichien, il y a un passage spécial, il y a un endroit spécial que tout le monde va nous faire, qu'on s'en sert, ou tout ça fait. On ne peut pas venir pour le lichien, ou le lichien vient devant la porte. Et moi, je ne vais pas faire mon point de garage, je ne vais pas sortir, je ne vais pas équiper l'auto, prendre un taxi. Non, ça, il y a des affaires qui sont bizarres, mettre un halo à ça une fois pour toutes. Et c'est le cas aussi d'affaires. Nous nous manquons qu'il y a beaucoup de gens qui ont des races, ou des gens qui ont des campagnes, qui ont fait. Ou des gens qui n'ont pas envie qu'ils s'en lichent là, qu'ils ont besoin de la cour. Alors, tradition, je vais prendre les chiens et faire des galipés pour les promener. Je tiens bien par jouer et je tiens les chiens à faire. Les chiens, je les comprends là. Ça aide, mon besoin, faire mon besoin, faire tel porte d'un côté, le cimetière, c'est pas qu'il y avait. Mais ça, l'eau là, animaux de faire, qui sont là en nombre, pas causé.
si un jour une telle solution fallait faire ma propre le bas de la place publique, donner une punition sévère, ça, la loi pas causé, ça l'autorité, ça le ministère pas trouvé. Vous comprenez? Un autre point encore. Pour contrer ce problème-là, nous trouvons peine à l'autorité, peine à l'officier, peine à la volonté. Peine à la volonté pour combattre ce problème-là. Je vais vous donner un exemple. La police, pas connaître ça, animal de faire acte là. L'animal de faire acte, il y a une provision. Il dit où? Il y a une provision là-dedans. Je vois 42, je vois 34, je vois 42. Il dit où? Qui? La police. Les gars ont le droit de rentrer dans le monde, guetter comme les chiens l'INA, s'il y a une complainte. Les gars rentrent dans le monde, les demandent, les requests for information. Si ça du monde là, il n'est pas donné l'information, ou bien si ça du monde là, il donne une fausse information, ça la police là, les gars ont le droit à guetter un magistrat, faire une interpellation, un mort, un warrant, arrête du monde là. Mais pourquoi la police peut connaître, ils font un pour ça? Combien de monde fait complaint contre les chiens qui fait tapas, surtout les races, à son papier à dormir. Elle dit pas à dormir, son voisin est un des trois chiens, il dit où est-ce qu'il bouffe. Elle a complètement gagné. Mais comment va faire la police? La police, pas qu'à faire la police est venue, dit monsieur, mais les chiens ne peuvent pas faire tapas dans cette ville-là. Ou bien monsieur, vous avez un mauvais verre. Sinon monsieur, vous avez police de l'environnement, et ça m'a dit là, je ne suis pas formé du tout pour attaquer ce problème-là. La raison nous bat plus que moi et tout le monde nous bat plus que moi parce que me pensais ça ministre là même il parle à hauteur pour gérer ce ministère là moi pour passer par 4 semaines m'objet ministre là même il parle à hauteur un point c'est tout. Bon, là, donc pour nous terminer, là, nous peut dire qu'il aussi besoin de revoir ça, la loi là. Parce que ben, la loi là, c'est all over the place. Ça veut dire, il y a un bout au cas, si vous avez certaines complaintes, vous avez un passeport commissaire de police, certains passeports la police, certains ont passe réduit animal welfare, certains ont un passeport ultimé. Ben, la loi là, c'est all over the place. Bien, mais tout la loi là, dans un seul livre, dans une seule bouclette, qui dit quand il y a un problème, j'ai capable de gagner tout là. Okay, donc, et là, ça va le problème que je peux faire un amendement à droite à gauche, c'est l'exemple que nous citons ici, qui c'est vraiment une vraie catastrophe, ces affaires-là. Donc, ça, c'est les premières affaires. Ils vont faire la loi, mais juste pour faire la loi, pour la loi. Et après, pour terminer ces affaires-là, nous pouvons dire, mais, pour mon cher Héron qui nous soulevait dans la question d'un camarade journaliste, et là, Animal Welfare, nous disons faire Animal Welfare Fun. Ça veut dire aussi qui ben, Animal Welfare, Animal Lovers, aussi qui tout mauricien. Pour comprendre qu'il faisait faire une petite contribution, créer un fund pour qu'il s'amène les chiens errants là et ça s'amène problématique qu'il y a. Quand nous pouvons dire chien errant, nous pouvons aller un peu rapide parce qu'il y a aussi chat errant. Et quand on gagne, les chiens peuvent galoper ça, faire rouler tout la case 3 fois par jour, pourquoi ou bien quitte la case quitte fois, à faire les tours, genre des plazas, c'est pas comme ça, c'est pas Balfour, c'est pas comme ça. Merci, mes camarades. S'il y a d'autres questions, nous vous prenons Justement, volontiers. nous restons sur ce sujet-là, s'il vous plaît, avec moi. Il y a aussi d'autres choses en plus. Vous devez venir m'accompagner. Il y a 5 zones d'enquête, puis il y a dans les sites. Le ministère, bien connaît, parce que parfois, il y a un officier, le ministère, il y a comme si un chien, bien traité, humainement, comme on dit. Donc, deuxième problématique, c'est un chien, c'est-à-dire qu'il Soit du monde qui était un chien, donc à aucun pas le côté, ce maman chien, il y a trop beaucoup d'enfants, mais pour tous les enfants, il y a les bananes grandies, les bananes viennent rentrer. Et Oui. il y a d'abord une professionnalisation de l'élevage du chien, mais il y a la responsabilité de tout un chacun qui, quand on fait les chiens, on dit, les permet pas. Pas qu'il y ait de bons enfants en plus, là, on va dans la nature, Non, dans parce que les affaires-là, ils paraissent réglementées. Nous payons comme les chiens, pareil comme moi, tu connais, mais si nous visons, tant qu'on continue de travailler, nous faisons l'annonce, nous avons une bonne statistique. Mais là, nous ne connaissons pas comme les chiens, nous visons, et là, par rapport à une demande, tu peux dire d'autres choses, etc. Mais même ça, comme on dit, il ne faut pas que ça, il y ait
Un paravent ne va tout ce qu'il a pas derrière, parce que la réalité que nous pouvons trouver au terrain nous pose certaines questions. Donc, ce qui est important, Jean-Claude, c'est qu'il banne l'autorité, je bisais qu'on banne statistique, qu'on ça banne fond de problème là, parce que, comme on l'expliquait, il est facile pour te ramasser 5 lichens dans la plage, t'emmènes dans ton case, t'emmènes bas, t'emmènes faire lichens, t'emmènes faire dog breeding, c'est pas qu'il te peut faire, c'est pas toi. Tu racontes ce qui t'envie, personne ne pas connaît, ton voisin fait un petit plainte, et t'en sur plainte pour prendre ceci, mais pour aller en attendant, tu ne finis faire ton commerce. Donc, tout ça là, nous guette ça de près. Pareil, comment si il y a un bon problème, comment je peux faire un petit saut dans ce sujet-là, parce que ça peut venir dans la tête, je pas une cause d'eau là. Tiens, là, le foot bill qui est passé, et mon tandis qu'il y a à peu près 19 000 contraventions. Pour un snack, etc. Là aussi, mon noté, moi, manger ici en bas d'un snack, il y en a ce petit papier, food handler, ça fait bien afficher. Mais malheureusement, pas tout ça partout. Donc, nous bisons bien strict avec mon snack pour qu'il se tourne à notre licence, surtout opérer comme un bisin. Donc, qui fait mon petit ça? Ouvrez un petit snack avant de dire, ferme le gelo, l'Italie. Il y a trois dalles, il y a trois gâteaux primaires, il peut venir, il y a un petit snack, quand tu parles de matière, mettez un saut. Mais nous ne sommes pas capables, malheureusement, la situation est telle qu'il est en ce moment, nous ne sommes pas capables parce que la santé du monde est très importante. Donc voilà, là aussi, nous pouvons dire, bien, réglemente sa profession-là, réglemente sa dog breeders-là, réglemente un peu de tout, l'importation, l'exportation, et aussi, code bizarre, mes taxes, mes taxes. Elle a réglementé sa formule à ajouter le sang, mais elle a une profession dans la loi, dans le mode de faire. Il faudrait dire que quand du monde devient propriétaire d'un chien, dans un délai de 15 jours, les bénéficiaires font un animal de faire connaître sans stress. Mais malheureusement, moi, tu penses qu'un camarade d'avocat même, qui est un des propriétaires présidents, un board là-bas, même si je manque ça, sa profession-là, il n'est pas en vigueur. Il n'est pas en vigueur, c'est-à-dire. Et pas mandatory. C'est-à-dire, mais si le gouvernement utilisait mettre sa provision là, plus vite que possible, en action, comment tout le monde gagne des chiens? Soit pour les gagner pour un gift, soit une achetée des chiens. Je vous ai donné un délai, par exemple, vous pouvez acheter un auto, ou vous lancez l'auto là, pour un diaconé. Si vous êtes comme ça, mais il a trop laissé aller l'eau là. C'est pour ça qu'il ne peut pas un chiffre exactement combien tout le monde propriétaire des chiens. Parce que là, nous, tu connais qui va vrai chien, qui va propriétaire. Et un autre problème de ce domaine-là, quand la loi dit silence total, le combien de chiens du monde va. Alors là, du monde jouait. Parce que si elle a un chien, elle a un nocturne solo, si le chien peut faire des choses, tapas, ou aller dans la police, la deuxième chose, mais la loi, elle n'est pas du tout combien de chiens carina. Parce que les. Je voulais mon canne 5 chiens, mais mon papa fait breeding moi. Mon canne 4 mâles, une femelle, moi fait breeding moi. Mais alors là, c'est elle la loi, mon papa paye pour Jelly. La loi 2013, elle m'a fait acte, et la loi, il n'est pas à l'auteur. Sa personne qui veut sa loi là, ce n'est pas une compétence nécessaire pour ça. Elle a beaucoup de loopholes de sa loi là. Elle a beaucoup de loopholes, elle a beaucoup de manquements qu'ils ont dit. À cause de ça, que ce problème de l'Ichéna devient un problème mort sans venir. En fait, le sujet, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'il fallait que je vous donne un bon matériel scolaire, je vous donne l'argent pour une famille qui doit leur SRA, le registre social de Maurice. Qui c'est un peu. Moi, j'ai toujours pensé qu'il est beaucoup. C'est beaucoup mieux qu'ils donnent matériel scolaire, donnent livres, donnent ce qui est bizarre à nos enfants. À La Réunion, par exemple, donnent d'autres matériels, d'autres cahiers, d'autres crayons, d'autres livres, toutes les affaires. Moi, mon pensée, c'est très important ça pour la famille. Donne l'argent ou pas connaître qu'il a si. Est-ce qu'il est réglementé? Quand on parle d'une telle librairie ou telle librairie, est-ce qu'il est pris là pour pareil, etc. Quand on l'a acheté au fournitière. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une promotion à tel supermarché, tel autre supermarché? Non, mon pensée, c'est la porte ouverte à l'abus. Encore une fois, peut-être que ce n'est pas une bonne décision politique. Cette semaine-ci, statistiques montrent que la population mauricienne est baissée par au-delà de 5 000 personnes.
Et ils ont constaté que la moyenne maintenant de la population sortit de 34 ans à 38 ans. Vous pensez que ça pourrait être un problème dans le futur, alors Oui. qu'il nous peut dire que la population Et sans doute. mauricienne est pour baisser, alors que côté voisin, ben là, peut-être qu'on touche le million d'ici 20 Oui, ans, 2032. la réunion d'un système intéressant, parce que pendant longtemps, de cela, vous étiez voisin de 700 000, vous étiez égal derrière nous, et là, vous pouvez atteindre le million. Parce que je tenais une politique adéquate, une politique qui encourage bonne femme au foyer et encourage toute forme de garde d'enfants au niveau de mâle ou au niveau de l'homme ou de la femme. Ici, le problème, je suis très content qu'on aborde ça parce que c'est une affaire que nous peux penser aborder prochainement. Nous, d'une population vieillissante, si nous prenons un chiffre comme ça rapide, nous avons à peu près 250 000 du monde pensionnés de 69 à 89. Après 89, nous vivons 4 000 du monde. Donc, nous bien trouver quelle direction nous peut arriver. Et il est clair que le problème n'est pas pour venir aujourd'hui, pas pour venir demain, pas pour venir dans 3 mois. Là, c'est là qu'il est, qui c'est Goldman qui cause. Le problème là, il est là. Nous avons besoin de faire l'appel par les travailleurs étrangers. Nous avons besoin, pas juste faire l'appel aux travailleurs étrangers qui rentrent, qui sortent de leur contrat, mais pour qu'ils nous capables d'utiliser ce système-là. Nous avons besoin d'une nationalité ban étrangers pour qu'ils restent là. Parce que sinon, si je prends des autres sorties, ou bien connais, ou même travailler au Bangladesh, dans le week-end, je vais prendre des autres raisons, mettre dans Western Union, je peux retourner dans d'autres pays. Donc, tout ça, ban aspect-là, les ban aspects qui nous besoin prend en charge. Quand moi-même, dans mon arrêt, quand moi resté, monsieur qui le député de l'endroit, pour vraiment très content qu'il m'a donné une bonne nouvelle, qu'il y a 3 magasins, la boutique Bangladesh, la route royale, commandé. Donc, Oui, tout à hein, fait, tout à tout à fait, fait. tout à fait. Donc, tout à fait, Jean-Luc, comme dirait l'autre, football de la Coupe du Monde, et eh bien, tout à fait, Nagol dans le pays. Et nous avons adressé ce problème-là tout de suite, maintenant, avant qu'il devienne trop compliqué et out of hand et qu'il n'y ait pas de désordre et toute qualité. Un appel à un jeune pour vous faire plus d'enfants. Oui, un appel pour nous, ben, jeunes, faire plus d'enfants. Malheureusement, nous-mêmes, nous, ben, avocats, nous faire un divorce. Nous, oui, il y a beaucoup de jeunes qui divorcent. Donc, bizarre, nous revoir un petit peu, ben, incentive. Hein? Nous, bizarre, de ben, incentive, ben, jeunes, pour qu'ils se joignent, se faire beaucoup plus d'enfants, etc. Donc, Comment vous analysez vos réactions par rapport à cette rencontre de l'entente de l'espoir pour Tavaïs dans le cadre municipal qui a gagné dans samedi, alors que vous faites déjà bien mettre en boulot Bérangé, Duval ainsi que Jordan, campagne ménagère. Ben, elle est claire, parce que même moi, je paye toute qualité combine, toute qualité l'entente, fédération, je ne sais rien, et ça, c'est un système démodé. Donc tout ça est démodé, et qu'ils ont dit, comment on peut dire, si l'opposition n'est pas réinvente, n'est pas recensée, n'est pas ouvert à ben, les autres du monde, qu'ils contentent dans ce petit groupe, dans ce petit club, et bien malheureusement, M. Pravin Jagnauth pourrait devenir Premier ministre 2024. Ils appellent ça. Choose between two evils. Hein? Des mauvais choix, du monde choisir un choix, moins pas bon, et nous connaissons l'électorat mauricien, c'est un électorat vieillissant et conservateur. Je ne peux dire, pas faire non, il est d'obéta, God lui-même, voilà ce qui va arriver, et ça même du monde qui, quand la cloche sonnait 10 heures, a voté. Toujours sur le point politique, je vois que l'idée du gouvernement de transition, résistance alternative, commence, la mayonnaise commence à trouver ben, une rencontre des droits participatifs. Même le Parti travailliste, il semblait que le Parti travailliste est un peu d'accord dans sa formule pour la prochaine consultation législative. Oui, mais vous voyez, résistance alternative, l'IPABO est une bonne idée, mais nous devons attendre qu'ils les mettent un petit peu plus en détail. Pour le moment, Mais il y a un détail. par exemple, qui détaille l'Indien. Est-ce qu'il est fini d'accord que ça n'a pour Premier ministre, qui ça n'a pour Vice-Premier ministre, combien Vice-Premier ministre Bizaïna, qui ça n'a pour poste candidat, tel endroit. Transition, c'est un joli mot, transition de quoi? C'est un joli mot ça, mais quand ce projet, quand ce bonne idée, quand ce bonne
sur même chose. Il peut prendre l'idée qu'il est importé dans l'Europe, le Wikipédia, il a même dit, mais il a développé un peu plus et qu'on lit dans la réalité mauricienne. Moi, je peux dire un camarade de l'opposition, c'est qui bizarre. C'est qui nous bizarre construire une opposition innovante, une opposition qui paraît prendre même recette inutile, une recette surannée de communautaristes, de castéistes, tout ça. Et quand on est venu, on est venu pour une première ministre d'un pays là-bas, il faut. Là. Okay? Pour une Bangladesh, une première ministre, si nous ne pas faire attention, parce que nous avons fini à investir la route royale pour demander. Mais ça n'a pas financé campagne, ça m'a député, là, pas en Bangladesh. Donc, et Bangladesh, moi, vous donnez le point constitutionnel, Bangladesh, qui peut arriver. Bangladesh, les musulmans. Bangladesh, les musulmans. Donc, constitution, dans Best News, il y a des musulmans élus. Mais ça veut dire automatiquement, le Bangladesh pour être député dans Maurice. OK? Parce que le Bangladesh, il reste dans un endroit quand il est musulman. Quand nous avons la boutique Bangladesh, il y a un drapeau Bangladesh. Les couleurs sont affichées dans le bassin. Donc, pas que ça, je dis, j'espère pas, c'est que je dis, réclame Pepsi, ça. Non, c'est le drapeau Bangladesh. Donc, nous, bien, si nous ne faisons pas attention, telle une constitution était avec Best Loser, un Bangladeshi qui propose candidat dans un endroit côté là, beaucoup musulman, comme on dit, et automatiquement, il pourra être dans conseil municipal de Bobassin-Rosil. Donc, voilà un vrai problème qui nous est là, qui est bien adressé, et que si nous continuons avec ce système qui peut dire Corse, qui peut dire ici, qui peut dire Papa Piti, etc., là, ah ben, une génération comme moi et toi pour sacrifier, et une autre génération, un étranger qui pour prendre pays, pour une première ministre, pour une ministre, pour une etc. L'eau, même base. J'ai une question tout à l'heure. Allez. Une présentement, un pamphlet, ou un affiche, mais il y a une autre compagnie. Là. Est-ce qu'il est bon qui nous servit peut-être le. Nous connaissons que ça connaît là, il était qu'il nous fait plein de systèmes alimentaires, mais associé sans salarié de la fin à sa compagnie-là, parce que ce va l'aide bien ou pas, il va pour le préjudice à la compagnie. Préjudice, complètement, préjudice. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'a fait dire ça à un camarade, c'est-à-dire nous, un parti politique, hein, qui n'affiche ce nom de, quand il dit ça. Et nous avons dit, mais faire attention, parce que ça porte préjudice à une compagnie, une grosse compagnie mauricienne qui a une certaine réputation. Et donc, là, ici, que ça n'est pas positif pour un million, ni pour un million. Donc, nous pouvons dire, ça même qui m'ont flashé ça depuis bonheur, pour dire, arrêtez que ça m'a fait comme ça, là, nos Facebook. À ce moment-là, mon business, mon TikTok, tout ça là, réfléchis bien avant de faire quelque chose sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, sur Twitch, etc., sur YouTube. Et une affaire qui est bien, c'est que vous êtes de l'opposition, vous dites qu'il n'y a pas de l'espoir, et maintenant, il travaille ce qui est causé pour le municipal. J'ai fini de rencontrer le municipal la semaine dernière. Oui, comme je te disais la dernière fois, n'est pas capable de revenir avec travailliste, n'est pas capable de revenir avec MMM, MSM, PMSD et KM. Pourtant, EM qui fait mon budget, n'est pas capable de revenir avec lui. Parce que EM, Nende Bouda, nous connaissons un ancien MSM. C'est la même personne, un vieux politicien. Il prend des trois du monde qui peut rouler en lui, même du monde. N'est pas capable de prendre même sa valeur de l'équipe là, réamener, parce que là, quand on est arrivé là, de Maurice. Nous donne la croisée d'un difficile dans le Mauritien. Et ça va pas être même qui vient amène nous là, que le pays n'est pas refusé, que la situation peut empirer bien les mêmes. Nous ne pouvons pas ramener récemment une partie là, même du monde presque, et parce que le prochain, demain qu'il est bouvert. L'idée là, il peut faire un dimension dans la cosmétique, un dimension, il dit voilà, nouvelle génération. Il nous donne des gènes, de nouveaux enchants, mais en chien, le backbone de la partie est pareil, le backbone de l'époque pareil. Alors, le back to square one. Alors, disons, le dette publique, il est là-haut 440 milliards après ce qui est venu arriver. Mais qui c'est qui amène ça, 440 milliards de le pays là? Qui c'est qui amène ça? Est-ce que le nouveau parti vient amène ça?
Même d'autres partis qui vous venez, qui vous font un salaire. Non, c'est dans ces partis, depuis 68, qui sont les entraînés là-là. Il n'y a pas qu'à continuer. Et laissez-moi profiter de cette occasion-là. Quand le gouvernement actuel peut dire qu'il peut faire un développement, il peut travailler. Mais vous n'êtes pas capable de travailler pour un dé travail, mais de la peu de ça, le développement ça. Si un papa, il prend 10 millions de dettes, il a de la case. Les dire ceux de son fonds, à la moi un petit, moi je un grand progrès. Demain, papa là, peut beaucoup. Ça peut remplir sa dette là, ça disant voilà. Ça peut être progrès ça. Progrès veut dire, when you produce something, when you bring productivity. Si avec 5 sous, on réserve les 25 sous, et que ça met un flot, on fait développement, là où tu as, on fait progrès. Ça peut être progrès. Ça, this, we call it backward development. Mais quand tu as 4 potes, 5 potes, tu peux dire, mais là, non, non. On va tout, non, non. Et surtout, qui, vous trouvez un pote qui a arrivé à faire, va dire du jour pour en place. Bonne compétence, bonne qualité, tu peux dire, bonne année. Mais est-ce que tu penses où en 2014? Non, nous ne pouvons pas dire, ou peut-être présenter un peu trop gentil, monsieur Jean-Claude. Ou nous dire, remplace bonne compétence, bonne expérience qu'ils ont. Non, on dirait, si nous retirons ça à 5 parties là. Oui. Bien, non, on n'y a pas tout, non, on n'y a rien. 5 parties, monsieur Jean-Claude, nous parlons un peu trop vite. Dans les 5 du monde là. Non, nous causons pas, tu n'es pas personnalisé. Est-ce que vous pensez que RM, c'est une partie politique ou c'est juste M. Jean-Louis qui causait. Nous ne pas connaît qui s'en a pour occuper telle fonction ou telle fonction, les trois commissions comme ça, à la barbite ou à peine partie ou à peine projet de société. Il y a une autre chose là. Nous, même il peut rouler l'essence qui n'est pas polie. Ça veut dire qu'il peut rouler avec ce glorieux sport, etc. Nous qui avons parti travailler, ce monsieur-là, il est vraiment nous trouvons à bout de souffle, il est signé pour qu'il soit capable de régler ce ban d'antécédents judiciaires, financiers, etc. Monsieur Dival, lui, ça fait longtemps qu'il peut rouler le souval, il ne connaît pas qui son papa n'est plus dans le kéri souval. Donc, ça, c'est une affaire qui nous peut guetter là, c'est ban du monde. Du monde n'a pas envie d'être autres, pas intéressé aux autres, les autres sur YouTube, les autres faire dislike. Ou même une conférence de presse dans l'antenne de l'espoir, il fait peut-être 30-50 likes, pas plus que ça. Tu ne veux pas intéresser aux autres. Mais parce que zone met les autres même devant et zone ferme tout la porte par derrière, cadenassé, verrouillé, qui les autres pas qu'à monter, les autres pas qu'à rentrer, parce que le système politique mauricien, extraordinaire ça. Comment sont l'élection déroulée, comment ce comité central élu, comment ce leader élu, pas élu. Incroyable. Dans un pays qui est conservateur, un des plus grands conservateurs dans l'histoire, Conservative Party de l'Angleterre, mais où on a un Indien qui vient leader sa partie là. Donc ici, c'est un verrouillage, chaque partie, ce statut, un verrouillage complet, M. Jean-Claude. Et quand on peut dire, je vous donne une compétence, je vous donne l'expérience. Mais nous devons aussi ajouter, je vous donne défaillance, je vous donne manquement, je vous donne catastrophe, casserole qu'ils ont laissé, je vous donne absence. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit dans ce petit message qu'ils m'ont fait précédemment là. Parce que pour eux, professionnel politique, c'est une profession réglementée. Ça veut dire juste pour eux. Mais si eux restent dans la case, et si il y a les autres du monde qui revenir, qui ont envie de faire les choses, je pense que c'est possible qu'il y ait ce groupe-là. Et pour ça, arriver, nous avons déjà réforme système de financement politique, système électoral. Je pense que quand nous réformons ça, là, nous sommes capables de causer. Parce que tant que nous ne sommes pas attirés à ça, et ça, dès là, ça cinq là, je ne suis pas. On m'a dit vraiment intéressé pour changer la donne. Moi, je me dis, il remonte à ce Siv Sagar Ramgoulam qui a perdu un système colonial jusqu'à maintenant. Il repose les bonnes pratiques, les bonnes conventions, les bonnes histoires qui sont sans aide. Vous connaissez le système fonctionnel et encore fonctionner le système Whitehall, l'Angleterre. Maintenant, il y a encore dire ouais, Whitehall. Mais vous dites, t'as les trois airs là pour vous dire Whitehall. Non, nous, l'Angleterre, cela, nous disons, il y en a du monde ici, nous sommes encore vivre avec sa mentalité, qui, tout ce qui sont de l'Angleterre, c'est l'eau, bizarre accepter, pas qu'à discuter, tout bon, n'est qu'appliqué ici. Donc, c'est parce que nous payons une solution de réchange, parce que
système-là, les bloquer, les verrouiller, les cadenasser. Vous pouvez bien trouver que dans ces cinq parties-là, l'idée n'est pas de changer jamais. L'idée à vie, jusqu'à ce que dans ICU, pour l'idée, ça va là. Cinq leaders jusqu'à ce que dans ICU. Malgré qu'ils aient un bon problème de santé grave, malgré qu'ils aient dans toute qualité de problème, sciatique, tout ce qu'ils ont envie, je peux dire, oh non, je vais rester là-même, je ne suis pas capable, je ne suis pas même dans cette intelligence-là, laisser une nouvelle génération descendre un morse en bas, dire, nous venons de manteau, ou bon, nous venons président, etc. Non, je tout envie de venir, revenir premier ministre. Alors, si tel est le cas, mais malheureusement, l'île Maurice est mal partie pour faire face à le défi du 21e siècle. Pour en rire, vous savez, c'est un big deal. Big deal, un Angleterre même. Quand l'idée de perdre une élection, un premier ministre, et qu'il le chef d'aller, il y a un combien de fois arriver. Combien de premiers ministres qui n'ont pas élu, ils ont laissé quitter, ils ont quitté le leadership parti, ils sont allés. Mais quand on parle de ça, de Maurice, quand on parle de ça, ça s'agit là. Un coup de perdu, il est resté. Deux coups de perdu, il est resté. Parce que là, après, où j'ai appelé, oui, et là. Et là, mon nouveau parti qui est capable de s'appeler à bon pot, et là, je suis compétent. Parce qu'il y a une question pour moi, j'ai envie de dire une affaire. Dans 2014, qui s'est-il pensé qu'il y a l'agence travailliste et qu'il y a l'agence MMM pour gagner battre? Personne ne sait pas ce pensé. Ben, je vais dire 40-80%. Mais. Moi, ou je dire Jean-Claude, ou je dire si ça nous tient, c'est moi qui est resté. Non. Rien n'est possible. Si on a la foi, tout est possible. Il y a une question, parce que je suis un peu mondial football. Oui, bien sûr. Qui, la première journée, on va dire, nous mettons en guillemets, une finie, qui a l'impression de trouver une des trois surprises, l'Arabie Saoudite, le Japon, oui. Qui ne battent deux grandes nations du football. Oui. Qui au premier. Ben nous bien en 2022 et nous bien dirige vers le 21e siècle, mais bien une petite équipe, gros équipe. C'est tout ce que vous dire, Jean-Claude. Et moi, je ne vais pas trop commenter de là, parce que je ne vais pas trop intéressé au football. Moi, c'était une équipe à l'époque, Manchester United, pour récordre la tisouère. Je suppose que vous n'allez pas de football là. Je remercie les amis de la presse, internautes d'ici et ailleurs. Je remercie tous tout pour toute l'attention et nous donnons autre rendez-vous dans 15 jours. Mon pensée, c'est pour nos dernières conférences de presse de l'année, parce qu'après, les fêtes vont rentrer et nous donnons bien sûr un rendez-vous 2023.